Salut tout le monde, donc c'est Quentin Masson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, donc j'ai reçu cette balance connectée de la marque Easenpeng, et c'est une balance Bluetooth. Donc voilà, elle est vendue sur Amazon, je vous mets bien sûr les liens dans la description, mais allez c'est parti, on va déballer cette balance. Donc comme je disais, voilà, c'est une balance connectée Bluetooth. Donc la majeure partie des informations se trouveront sur votre téléphone via une application qu'il faudra télécharger au préalable. Donc cette balance, je l'ai déjà enlevée du carton pour vous montrer voilà, comment elle fonctionne et vous faire une utilisation en temps réel. Donc elle était dans cette petite boîte-là. On a bien sûr avec une notice d'utilisation et voilà un petit sac voilà, pour la transporter. Elle était dans ce sac-là avant d'être dans le carton. Donc la balance connectée, je vais vous montrer tout de suite comment elle fonctionne. Donc elle est ici. Donc voilà, donc c'est une balance super simple d'utilisation. Il n'y a rien à faire, il y a juste à mettre des piles à l'arrière. Voilà, elle est un peu épaisse, mais on va dire que ça va. Franchement, super légère. Du plastique en dessous, du verre au-dessus. Voilà, donc vous avez bien sûr où mettre les pieds, c'est pas plus simple que ça. Elle s'éteint automatiquement si vous ne l'utilisez plus. En tout cas, moi je vais vous montrer avec l'application. Donc, comme vous pouvez voir, il faudra télécharger cette application. Donc, vous avez le lien dans la notice. Il vous faut créer un petit profil et celui-ci peut être lié avec l'application Santé, en tout cas sur iPhone. Lorsque vous avez créé votre profil, vous avez mis votre taille, votre poids, votre nom et quelques informations, d'autres informations utiles comme votre date de naissance. Il vous suffira donc pour lier cette balance de, donc déjà, si ce n'est pas fait, de mettre la Wi-Fi. Voilà, donc une fois que vous avez la Wi-Fi, vous montez sur votre balance. Donc la balance indique un certain poids. Ce poids est du coup directement synchronisé avec votre iPad. Donc on va descendre. Donc comme on peut voir, le poids a été synchronisé, donc 61 kg, super. Et vous avez un tas d'informations qui vont s'afficher, donc comme l'eau corporelle, les graisses, voilà, les graisses viscérales et ainsi que la musculation. Donc on va revenir ici. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, cette application, comme je le disais, est super simple d'utilisation. Il n'y a pas grand-chose à savoir. Donc, comme vous pouvez voir, là, il met que c'est connecté. Voilà, donc ce profil est connecté avec la balance connecte la balance. Donc, vous avez les informations ici. Vous pouvez savoir si c'est bien, si votre poids est bon ou pas. Vous avez en fonction, puisqu'ils ont pu voir grâce à votre âge, votre poids et votre taille, ils peuvent voir. Donc on peut dire que moi, voilà, je suis entre, donc je suis vraiment au début, 65 61,7. Bon voilà, j'ai une marge et donc avant c'est une faible valeur et au-dessus voilà, je suis en surpoids, donc c'est vraiment pas bien. Mais du coup là je suis vraiment entre les deux, entre 61 et 75, pardon. Hop. Et vous avez bien sûr différents paramètres. Vous avez bien sûr votre historique. Alors waouh, je ne sais pas pourquoi il est passé de ce poids-là. Ah, c'est parce que sûrement j'ai mangé à midi. Donc voilà, donc ils ont mis comme quoi j'ai une courbe, comme quoi j'ai pris un peu de poids. Donc, super intéressant, ça montre que ça marche. Vous avez bien sûr la liste de quand j'ai fait, donc bien sûr, ces tests-là. Et bien sûr, vous pouvez tout supprimer. Vous pouvez revenir en arrière. Voilà. Vous avez aussi bien sûr les réglages, comment lier l'appareil, les données, sauvegarder. Voilà. Et si vous revenez à l'accueil, vous avez bien sûr, vous pouvez faire ce test avec un mode bébé. Donc il vous faudra créer un profil et vous pourrez bien sûr mesurer le poids de votre bébé. Donc c'est super intéressant. Donc voilà. Donc non, je ne veux pas supprimer. On va faire. Ah non, il m'a tout supprimé. Bon, au moins on sait que. D'ailleurs, voilà, je peux même supprimer tous les poids. Donc voilà, j'en ai fait un test. Ça ne me correspondait pas, donc j'ai viré. Et voilà. Donc l'application est vraiment super simple d'utilisation. La balance aussi, puisque la balance vous permet simplement de voir du coup votre poids et de le lier directement avec l'application et pouvoir suivre une évolution dans le temps.
Et voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. Elle fonctionne sur pile. Et bien sûr, voilà, comme j'ai dit, j'ai mis le lien dans la description si vous êtes intéressé. Donc, c'est un lien Amazon. En tout cas, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site pour en savoir plus et sur les caractéristiques, bien sûr. Mais en tout cas, elle fonctionne avec de nombreux appareils. Il suffit d'avoir un iPhone 4S, c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Pareil pour Android, vraiment, les vieux Android fonctionnent aussi. L'application est vraiment compatible avec un grand nombre d'appareils, ce qui est vraiment positif là-dessus. Et bien sûr, quand elle vous est livrée dans un carton super solide qui vous êtes sûr de ne pas l'abîmer. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner. Voilà, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus je vais pouvoir faire deux vidéos. Donc voilà, ça m'encourage. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée.